Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous nous suivez depuis la Belgique, depuis la France, depuis le Canada, vous nous suivez depuis les États-Unis, vous nous suivez depuis Congo-Kinshasa, depuis le Maroc, depuis Congo-Brazzaville, depuis le Lubumbashi. Nous vous disons bonjour, bienvenue sur votre télévision du peuple, une télévision qui a toujours été à proximité du peuple congolais, une télévision qui vous a toujours informé du vécu quotidien du peuple congolais. Aujourd'hui, nous venons avec une très bonne nouvelle, et celle de la libération de celui qu'on a toujours souhaité voir libre, un homme libre, le colonel Eddy Kapenz. Le colonel Eddy Kapenz est libre aujourd'hui. Moi-même, en personne, j'étais à la prison de Makala. Il a obtenu sa libération, il a obtenu son certificat de libération. Parce que les gens utilisaient souvent pourquoi Eddy Kapenz, le chef de l'État, le 31 ans, qu'il a obtenu une grâce présidentielle, pourquoi a-t-il toujours libéré. Non, mesdames et messieurs, vous devez comprendre quelque chose. Il fallait d'abord passer ou procéder par ce qu'on appelle une procédure administrative où il fallait balancer l'ango par le vice-ministre de la justice. Et voilà, aujourd'hui, Eddy Kapenz est maintenant libre. Il a été avec sa famille à la prison de Makala. Moi-même, en personne, en tant que journaliste, j'étais présent et pour assister à ces phénoménal événements, qui a SMP d'époustoufler, mais aussi de mettre le peuple congolais dans une enthousiaste énorme. C'est une allégresse pour tous les Congolais aujourd'hui. Tout le monde dit qu'Apend a libéré, même camarades Naye ou Bazala qui arrêtaient, comme le disent les gens, injustement. Nous laisserons plus tard Tango à tenir conférence de presse Naye, comme il l'a prédit depuis longtemps. Et je pense qu'il aura des émissions à passer, Pétokolou Kamoye, à quoi atteindre Eddy Kapenz avec le temps. Toyeba, Nini Akoloba, après conférence de presse Naye, peut-être dans la chance, il y a retourné une émission, Pétoko faire comprendre Bino, Oyo, Eddy Kapenz, Akolobela, un peuple congolais. Bino Mokoboebi. C'est depuis après la mort de Moïse Laurent de Kabila qui est Eddy Kapenz Nakangamaka, le cola assassin qui est Yende Mutabomaka, Laurent de Kabila, notre ex-président de la République, que son nom repose en paix, et voilà. Même ses camarades ont été tous arrêtés pour meurtre, pour assassinat. Aujourd'hui, ils ont obtenu une liberté par voie d'une grâce présidentielle faite par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà des bonnes actions qu'on attendait depuis longtemps. Lors, tant que Kazu Bokonzi, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Bino Mokobona Kindengi, Asala qui est fort, Moïse Katumbi Tshapwe, Azonga Kimboka, il y a Franck Diongo qui a été alpagué par le régime précédent. Franck Diongo aussi, Azonga qui est liberté, Abima qui n'a qu'à sa prison. Il y a les pionniers du Katanga, Jean-Claude Muyambo Kassa, qui d'ailleurs je salue en passant. Voilà. Il a aussi été libéré par Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a aussi Moussa Nyamouzi qui a aussi rien le pays, il est tous en exil. Mais depuis que Tshisekedi Félix a été Bokonzi, il y a eu un peu de Mbokapé, Kokati Kosunga Félix, Action Félix Tshisekedi Asakosa. Vous voyez des actions que le peuple congolais attend souvent. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un geste à applaudir, c'est un geste qu'il faut en tout cas. En tant que des ovations terribles de fleurs, raison à laquelle moi, je ne resterai jamais bouche bée à ce genre d'acte, à ce genre d'action, à ce genre d'œuvre que le chef de l'État est en train de faire. Donc, nous disons en tout cas grand merci au chef de l'État pour la libération. Il y a Eddy Kapenz, et bien au moment qui famille Naïs avec sur place. Ma camarade Naïba Saki sur place, et il y avait beaucoup de journalistes sur place à la prison Chantal de Makala pour assister à l'événement Oyo. Il fallait pas les canards procédure administrative. Il y a sous étape finale les Aïkine Lilo. Alors ils ont obtenu tous leur certificat de sortie. Je pense que bientôt là, Tokulu Kabango pour Nako Sala Bango et quelques émissions, ce qui va permettre Bissot. En tout cas, merci beaucoup, chef de l'État.
Merci beaucoup, Nabalandignon, sur la TV du peuple. Binomo Kobo comprendre. Et Sengoni, ni peuple congolais, Azana Yango, la Mokolo ya Yalelo, par rapport à libération, ya Edi Kapend. Nous allons encore parler de l'Union Sacrée. Vous savez bien le bien que Moïse Katumbi et Bemba sont déjà ici, appelés par Félix Tshisekedi pour la cause solo la Likambo Oyo Italie primature dans l'Assemblée nationale selon Nigma Tobana Koloba. Tenant Moïse Katumbi s'est député menacé de quitter l'Union Sacrée. Non, il ne menaçait pas de quitter le navire, non. Et le navire, non, ce n'est pas ça. Sauf qu'il y avait des tractations par rapport au faux compte Twitter. Au Batwanda Kolobanon, Mindonzang Yalobiboe, au Buenaboe Gilouin, dans le Biboe, ainsi de suite. Non. Ce député, basant l'objectif Moko, il a pris un retard où il a une réforme électorale, Marmarotala, cour constitutionnelle, les Kamboa Seni et autres. Mais les Kamboa Est, ils avaient évoqué dans leur cahier de charges. Bon, en fait, leur souci était que le cahier des charges d'Abangou est la prise en compte dans son entièreté. Non, ce n'est pas ça. Le cahier des charges, tu copies ça en go. Vous avez mon côté, vous adhérez à l'Union Sacrée, non. Vous avez battu le coup de Zawana, même Zawana avec sa troupe, Moïse Katumbi, le même avant, Zawana, Bino, la troupe Naye, il y a le parti Pena, Bélé, il y a Kungwa Kumaza, Jean-Claude Moyambo, voilà. Ils sont là, ils sont vraiment nombreux, vous adhérez à l'Union Sacrée. Mais que cela nous tienne de se comprendre, de parler en tant que frère, comment Kosukisa encore Kosil Salikambouana pour abonner mon peuple congolais. Parce que chef de l'État fait ce qui est dit Moutounion, soyez bien qu'il y a une ambition malade pour Nambo Kanabiso, Azana ba initiative ya bien, Azana ba idée ya bien pour Nambo Kanabiso. Boutouman Chion est sous des moutons. Sur le mouton de 31, bah, il nous cura qui est encore. Il y a aussi des bonhommes en bouteille Sidi. Sosimax en bouteille Sidi. Il y a aussi, on a 24. Voilà, il n'y a plus d'embouteillage. Alors, il ne reste que, oh, il y a Pascal, donc du côté Mokali, route Mokali, mais aussi il y a Bitabe aussi. Il faut, il va comment Sidi Sayango pour que l'embouteillage, il y a aussi là, afin que les routes soient décongestionnées. En tout cas, ce sont des œuvres que le peuple congolais attend. Je pense qu'il y en a 3 ans. Le chef de l'État, à cause de ce sujet, Minene, tout ça causé là. Suite, il y a Union Sacrée, et que ce qu'on a dit, il y a un chef de l'État, à outil qu'on nomme, Bartou le Kouébou comme informateur, lobby, à nommer, parce que 5 personnes au bas qui ont accompagné Bati Lukwebo, la mission est informateur parce qu'il y a des gens qui ont identifié la majorité parlementaire. Peut-être que Tala, Moussala, Oyo, Isako Salama, l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu une session extraordinaire qui a été convoquée. Et au Kennedy, au mois de février, ça va faire au moins un mois pour voter bureau définitif. Et puis, ils vont mettre toutes choses en place pour qu'on puisse remettre l'évolution plutôt Mboka et Mekako. Tambola, Nandengi et Singili et Kotambola. Donc demain nous allons encore revenir pour vous informer les Cambouya 12 millions de dollars Oyoiza déboursé, décaissé pour la Moussalaya session extraordinaire Oyoiza qui est convoquée. Et puis, tu reçois la liste pour les Cambouya où il y a le Sénat parce que le chef de l'État, Aza, le président, il y a le Sénat, a convoqué une session extraordinaire, mais on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que cela s'attarde, comment est-ce que cela traîne encore, alors que le chef de l'État déjà Sénat qui a eu depuis la semaine passée. Alors, tu as imité Aza défi contre le chef de l'État, tu Ningenini, tu habites, tu connais bah Yango na émission Oyo Tokosa là pour la lobby. Portez-vous bien, tu commets une souka, tu aussi la boyauté sans que tu puisses à le patron de la TV du peuple, Symphorien Kalala Balantayi depuis la Belgique, c'est bien lui qui est en train de nous chapeauter, c'est bien lui qui est en train de prendre soin de nous. En tout cas, merci beaucoup, Symphorien Balandaï, que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Nous disons encore merci à tous nos partenaires. Merci également à mon très cher caméraman Joseph Balandaï. Il y a toujours de présents, voilà. Voilà, donc nous sommes là pour vous informer. Merci, moi c'est votre serviteur Amour Bilolo. Nous nous retrouvons encore demain avec notre sujet délicat. Portez-vous bien. Merci, ciao.